अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता है। चुटकी भर बरसात ना, et maintenant, je veux que tu me le jures, que tout ce que tu le fais uniquement pour le bien de ton père, Oup. Tu as été tellement injuste envers tes sœurs, et tu dis que tu fais ça pour ton père. Tu m'as complètement abandonné, Roup. Et tu as fait tout ton possible pour m'éloigner de ta famille. C'est soit moi, ou bien ton père. Tu dois choisir. Il y a un gars, Rakesh Shah. J'ai besoin d'informations sur lui. Ce qu'il fait, combien il gagne dans son travail, où il vit, combien de personnes il a dans sa famille, tout ça. Regarde, c'est sa photo. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pas en tant qu'inspecteur. Je veux que tu obtiennes toutes ces informations en tant que frère. En tant que frère, je ne comprends pas. Tu veux dire pour Kinjal? Oui, tu as enfin compris. Mais papa, Kinjal est encore... En train d'étudier, je sais. Mais elle peut continuer ses études après son mariage, n'est-ce pas? Mais si nous perdons la chance d'avoir un bon gars, Kinjal pourrait ne pas se marier du tout. Tu es son petit frère et tu es toi-même marié. Les gens de la communauté vont mal le voir. Pour l'instant, je veux que tu me trouves des informations aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, parce que ces gens viendront aujourd'hui. Tu dois te dépêcher. Je suis obligé de le faire. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, d'accord? Tu as de la chance, tu as pu voir la photo de ton mari avant de te marier. À notre époque, la plupart d'entre nous avions l'habitude de voir notre mari le jour de notre mariage. Ma tante, qu'est-ce que vous racontez? Je dis la vérité! Je t'ai seulement montré sa photo. Et tu sais quoi? C'est Rupendra et Shamsher qui ont décidé d'arranger ce mariage pour toi. En plus, il vient d'une famille vraiment très riche. Maman, je veux continuer mes études. Je n'ai pas du tout envie de me marier. Hé, pourquoi faire des études? Tu dois juste devenir une bonne cuisinière. La famille du marié arrive aujourd'hui. Va te préparer plutôt. Et toi, Kamla, tu devras apprendre à ta fille comment devenir une bonne belle-fille. Autrement, les filles d'aujourd'hui se marient sans aucune valeur. Et par la suite, elles finissent par détruire la famille de leurs bons parents. Maman, c'est quelque chose. Ne pleure pas, Kinjal. Car tôt ou tard, il faudra que tu le fasses. Mais Kamla, maman, il y a beaucoup de préparatifs à faire. Tu devrais venir m'aider dans la cuisine. Oui, j'arrive, sœur Kaushalya. Maman, Ishika... Qu'est-ce qu'il y a, Kinjal? Pourquoi tu pleures? Roup et papa veulent m'obliger à me marier. Mais je veux poursuivre mes études, je ne vais pas me marier. Je t'en prie, aide-moi, s'il te plaît. Car tu es la seule qui me comprenne ici. Écoute, Kinjal, tu es la seule qui puisse t'aider maintenant. Tu devrais aller parler à Roup et à ton père, d'accord? Parce que si jamais je m'en mêle, ils ne voudront pas m'écouter. Imani ne mérite absolument pas cette médaille. Elle sera plutôt remise à Monsieur Rupendra Singh Vaghela. Imani, non, Ishika, s'il te plaît, ne dis rien maintenant. Je viens de recevoir un appel de lui sur l'autre ligne. Mais cette fois, je vais lui donner une bonne leçon. Ishika, tu peux pas me laisser ça comme ça. Je sais que tu connais Roup. Il ne voudra même pas m'écouter. Tu dois me soutenir. Je t'en supplie, Ishika. J'ai encore envie d'étudier. Il faut que tu m'aides à me sortir de là.
S'il te plaît, ne me laisse pas seule. Kinjal, mais... arrête. Arrête de pleurer. Tu ne peux pas abandonner comme ça. Je dois l'aider. J'y suis obligée. Je dois parler à papa. Oui, Rupendra. Oui, papa. J'ai trouvé ce que tu voulais. Rakesh et sa famille. Ce sont des gens bien. J'ai aussi demandé au voisinage. Tout le monde les apprécie. J'ai aussi trouvé autre chose, papa. Leur belle-fille aînée va à l'université. Vraiment, c'est une bonne chose alors. Si Kinjal veut aussi le faire après son mariage, ce sera le choix de ses beaux-parents, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, rentre à la maison. Écoute, fais attention. Oui, papa. Ce sont des gens vraiment bien. Et après le mariage, Kinjal pourra quand même poursuivre ses études. Hé, hey, jeune fille. Ce soir, une famille va venir pour arranger le mariage de Kinjal. Alors j'espère que tu ne t'en mêleras pas. C'est une bonne famille. Mais papa, est-ce que vous avez seulement pensé à ce que veut Kinjal? Je n'ai pas besoin de le savoir. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que mon fils et moi soyons d'accord. Le mariage est presque arrangé. Et quant à toi, tu ne sers à rien dans la vie de mon fils. Alors pourquoi ne peux-tu pas le laisser tranquille? Il n'a pas besoin de toi dans sa vie. Comme ça, il pourrait au moins vivre en paix. La relation que nous avons est parfaite sur tous les points. Lui et moi, nous nous comprenons vraiment. Les autres doivent sûrement penser que je suis quelqu'un d'inutile ici. Parce que je ne supporte pas quand les autres font de mauvaises choses. Et je ne m'abaisserai jamais à faire ces choses. Et si jamais vous faites quelque chose de mal, j'essaierai alors de m'y opposer, et ce jusqu'à la fin de mes jours. En gros, tu vas t'interposer. Très bien, de temps en temps, moi aussi j'aime les défis. Essaie d'interférer. Je ferai tout pour t'en empêcher. Je vais empêcher le mariage arrangé de Kinjal. Eh bien, tu as ajouté de l'huile sur le feu. Maintenant, ce feu va se propager et il va détruire la relation entre Rupendra et Ishika une bonne fois pour toutes. Mais la suggestion que je t'ai faite avant, de gagner la confiance de Rupendra en lui disant que tu n'as pas de problème avec Ishika, est-ce que tu l'as fait? Je suis sûr que non. Ma sœur, tu sais bien que je n'aime pas mentir sur ce genre de choses. Mais je n'ai pas envie de perdre mon fils, alors j'ai menti sur le fait que je n'ai pas de problème avec elle. C'est bien. C'est très bien. Et j'ai réussi à trouver un partenaire tellement parfait pour Kinjal que Rupendra ne peut pas rejeter cette proposition. Maintenant, Rupendra va dire oui et Ishika va dire non. Et je suis sûr qu'ils finiront par avoir une grosse dispute. Monsieur Shamsher, sachez que la ville entière de Gujarat applaudit la bravoure de Rupendra. Alors félicitations. Oui, merci. Tenez, c'est bon Kamla, nous n'avons pas besoin de manger autant. Les invités sont comme des dieux, et nous traitons toujours nos invités comme tels ici. Et bientôt nous ferons partie de la même famille. Alors nous devons nous traiter correctement, hein? Ce n'est pas tous les jours que nous avons des invités. Nous avons entendu beaucoup de bonnes choses sur Kinjal. Nous avons envie de la voir. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, ça ne nous dérange pas. Kamla? Imani, Jigna, allez chercher Kinjal. Oui, maman. Kinjal ne viendra pas. C'est la vérité. Kinjal ne viendra pas. Parce qu'elle n'a pas envie de se marier. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir.
si elle n'a pas envie de se marier. Pourquoi vous nous avez invités ? Elle est juste notre belle-fille, Chika. Elle est juste un peu folle parfois. Elle aime bien faire ce genre de plaisanterie. Elle aime bien. Oui, Chika. Dis à tout le monde que tu ne faisais que plaisanter. Sinon... Je ne... plaisante pas. C'est la vérité. Kinjal n'a pas envie de se marier pour l'instant. Elle n'approuve pas cette union. Ishika ? Arrête ça tout de suite. Arrête de dire qu'elle n'a pas envie de se marier. Nous avons décidé que Kinjal va épouser Rakesh et cette décision est finale, d'accord ? Est-ce que tu sais ce que Kinjal veut vraiment ? Elle veut étudier, aller de l'avant et devenir quelqu'un. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle décidera si elle veut se marier ou non. Ishika, Kinjal ne connaît même pas cette famille. Ce sont des gens ouverts d'esprit. En fait, ils laisseront aussi Kinjal continuer ses études après son mariage. Non mais allez, Ishika, je suis le frère de Kinjal, pas son ennemi. Je sais ce qui est bon ou pas pour elle. Tu m'as dit exactement la même chose, Roop. Que tu penserais à ce qui est bon pour moi. Et qu'est-ce que tu as fait ? Je ne peux même pas te faire confiance, alors comment veux-tu que je leur fasse confiance ? Et qu'ils la laisseront continuer ses études ? C'est ce que font les gens, Roop. Ils font des promesses avant le mariage, mais après l'union, ils décident de ne pas les tenir. Comment est-ce que je peux leur faire confiance ? Et qui sait ? Peut-être qu'ils ne la laisseront pas étudier. Mais de quoi est-ce qu'elle parle à la fin ? Je suis désolée, mais j'ai peur que Kinjal ne veuille pas se marier pour l'instant. Une fois qu'une fille se marie dans une famille, les gens changent. Pas seulement les études, mais ils ne la laissent pas faire quoi que ce soit chez eux. N'ai-je pas raison ? Jigna, Imani... Je vous ai posé une question. Votre façon de penser a changé. Mon mari aussi a décidé de changer. Et je ne sais plus quoi faire. Tu m'as épousée et tu m'as emmenée ici. Tu m'as promis que tu me rendrais heureuse. Mais qu'as-tu fait ? Je pensais que nous serions heureux. Que tu me soutiendrais toujours. Mais... pour revenir à ce que je vous disais, notre Kinjal a envie d'étudier. Elle veut avancer dans la vie et devenir quelqu'un. Et elle va se marier une fois qu'elle l'aura décidé. C'est tout. C'est sa décision finale. Ça suffit! Ça suffit maintenant. Nous avons des invités et tu te comportes de cette façon. Est-ce que t'as perdu ? J'ai parfaitement toute ma tête. Mais peut-être que c'est toi qui es devenu fou. Je soutiens simplement Kinjal. Elle est seule maintenant. Personne ne la soutient. Même si elle a un frère et des sœurs à ses côtés. Elle est quand même seule. Vous pouvez juste l'ignorer, je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas chez elle. Kinjal ne va pas tarder à venir, vous pouvez manger en attendant. Nous voulons simplement savoir ce qui se passe. Il faut que nous sachions ce que veut Kinjal, et si elle veut se marier. Kinjal... Nous sommes restés silencieux pendant tout ce temps, mais ça suffit. Je ne me soucie pas de ce que les autres pensent. Alors je vais être très honnête. Et j'attends aussi une réponse honnête. Kinjal, es-tu d'accord avec cette alliance ?
suis d'accord avec cette alliance. Kinjal, s'il te plaît, dis oui à ce mariage. C'est quelqu'un de bien. Sa famille l'est aussi, mais la santé de papa n'est pas très bonne. Sa vie est en danger. C'est Rube qui nous a dit ce qui se passait avec papa. Tout ce qu'il fait en ce moment, il le fait uniquement pour sauver la vie de papa, tu comprends? Chikna et moi avons sacrifié nos rêves. Rien n'est plus important pour nous. Que papa finisse par se rétablir le plus tôt possible, tu vois. Et c'est ma décision. Il n'y a personne qui m'oblige à le faire. Voilà, vous venez de l'entendre. Et au fait, Rakesh Kumar, j'aime bien ton attitude. J'apprécie quelqu'un qui a de l'assurance. Et maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu apprécies ma fille? Oui. C'est bien. D'accord, même Kinjal a accepté cette alliance. Et si ça ne vous dérange pas, nous pouvons faire les formalités dans quelques jours. Et quoi qu'il se soit passé aujourd'hui, j'en suis désolé. Ce n'est rien, Monsieur Shamsher. Très bien, nous partons maintenant. Très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'espère que ça suffit pour toi comme réponse. J'ai toutes les réponses que je voulais. Notamment, que tu as retourné la tête de tes sœurs. Et je sais aussi pourquoi tu as décidé de ne plus nous soutenir. À cause de ton père. Ce cher Shamsher Singh Wagela. Ça suffit. Pas un mot de plus. Ishika, ne dis pas ça. Que personne ne nous interrompe. C'est entre Ishika et moi. Qu'as-tu à me dire, Rube? Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus sur ton comportement? Tout a changé. Tes sœurs ont changé et toi aussi tu as changé. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Je ne comprends pas, Rube. Ça suffit. Tu as dépassé les bornes. Crier ne va pas changer la vérité, Rube. C'est toi qui as dépassé les bornes, pas moi. Et maintenant, je veux que tu me le jures. Que tout ce que tu le fais uniquement pour le bien de ton père, Rube. Tu as été tellement injuste envers tes sœurs. Et tu dis que tu fais ça pour ton père. Les problèmes qu'il y a entre nous, je ne les comprends pas. Tu m'as complètement abandonné, Rube. Et tu as fait tout ton possible pour m'éloigner de ta famille. C'est soit moi, ou bien ton père. Tu dois choisir. Tu m'as rendu la tâche facile. En posant une question pareille, Ishika. Je ne sais pas si tu veux connaître la réponse, mais je vais quand même te le dire, puisque c'est ce que tu veux. Alors écoute bien. Je choisirai toujours mon père. J'ai eu une vie heureuse. Et tout ça grâce à mon père. Si je suis là aujourd'hui, c'est seulement grâce à ce qu'a fait mon père. Et tu crois vraiment que je vais l'abandonner? Ishika, c'est mon père, et même jusqu'à aujourd'hui, il a du respect pour toi. Laisse-moi te dire, Ishika, qu'en t'aimant, te comprenant et en t'épousant, eh ben, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Très bien.
Merci. Merci de m'avoir dit tout ça, Roop. Roop. Arrête. Maman. Aujourd'hui, je suis vraiment seule.